Ce cheval que vous avez devant vous a dépassé un compte en banque, enfin son compte en banque a dépassé 1 million d'euros de gains. Vous allez dire, mais comment il a fait pour atteindre de tels sommets? Eh bien, tout simplement parce qu'il avait mis beaucoup de courses et des belles. Le Grand Prix de Chantilly à deux reprises. Deux. Le prix fois préparatoire à la triomphe, donc deux également. Ça pose également un Grand Prix d'Auville. Également un groupe 2. Puis aussi, il a terminé quatrième tout plus près de la Japan Cup, course offrant une très grosse allocation. Et c'est ce qui a permis à ce policymaker, le fils de Southern Suez, d'atteindre la somme de 1 million d'euros de gains. Désormais, policymaker, on le connaît bien, hein, il a tourné pas mal dans les haras nationaux, et c'est un étalon qui est encore jeune, mais déjà confirmé. Alors il a surpris un peu l'Assemblée en 2011, quand il a sorti une gagnante de l'Easter à 12 ans sur l'hippodrome de Lyon. Paul Arena en l'occurrence. Chez les nationaux, on n'a pas trop l'habitude de sortir des gagnants de l'Easter à 12 ans, mais ça a été son cas. Et depuis, bien sûr, la réussite s'est confirmée, notamment cette année 2013 avec Roll on Ass, en 3 mots, HRS à la fin, triple gagnante de l'Easter et troisième du prix Cambacérès, groupe 1, sur l'hippodrome d'Auteuil. Tout récemment aussi, nous avons eu Bois Duplessis et puis Star Maker qui ont gagné tous les deux lors du meeting 2013-2014 de Cagnes-sur-Mer, le meeting d'obstacles, bien entendu. Voici donc policymaker, la fille de Saint-Bolsouet, c'est Palmeret, grand cheval de course pour la Casapo d'Einstein, c'est l'entraînement d'Élie Lelouch, cheval dur, qui était capable de s'adapter à de bons chevaux de distance classique, hein, son tour c'était le 2004-2005. Capable de s'adapter à de nombreuses pistes différentes, à l'étranger également, et qui prouve tout autant de polyvalence dans sa production, puisqu'on en voit en plat à deux ans, mais aussi sur les obstacles à hauteur.